Dis bonjour Antoine. Bonjour. Aujourd'hui nous allons faire le World Test numéro 1. Fuck yeah. C'est un jeu de quiz, je vais juste aller pisser Antoine. C'est sûr. Ah bah je le prends bien. Allez. Alors, où suis-je? Bienvenue dans World Test numéro 1. Répondez juste aux 25 questions. 25! Par Sishui Akai, et vous survivrez. Bonne chance. Merci. Au bordel. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est prévu ça? Ouais, bon, avançons. Attends, on peut le contourner lui? Ouais. Hop, première question. Ninja. Oh putain, la la la. Le jeu. La 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 la. Non, non. Ne rush pas le jeu, monsieur. Donc chaque arrêtez. Donc chaque bonhomme, c'est une question. Ouais, c'est ça. Ah, d'accord. Monsieur, arrêtez de rusher le jeu. c'est pas bien. Attends, il y a des coups de rame. Allez bon, première question. Question numéro 1. Une. Quel président français n'a jamais été président de la 5ème République? Oh putain. 5. Oulala, oh là là. Il y a des petits coups de rage, hein, là je remarque. Oh, moi je dirais. Lui là. Ouais. Vrai, oh là 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 là. C'est Léon Blum. Ah, il y avait un piège, c'était Léon Potier. En fait, il a été président. Enfin, l'autre, hein, Potier. Il a été président en intérim. Tu vois, ça veut dire quand il y a un président qui meurt ou qui démissionne. Moi, histoire, je suis mauvais. Hein. Ouais, mais tu t'es pas fait avoir. Il fut chef du gouvernement provisoire. Du 16 décembre 1946 au 16 janvier 1947. D'accord. C'est pas mal, hein. Question suivante. Ouais. Alors, question numéro 2. C'est toujours le même, hein. Oh, putain. Quel était le grade du Che Guevara? Moi bon, j'ai juste envie de voir ce qu'il dit s'il fait ça. Et bon, Che Guevara, attends, on a parlé en cours. Le capitaine Che Guevara, le comment. Je dirais bien commandant. Ça sonne bien. Commandant Che Guevara. Ou colonel. Ou colonel plutôt. Alors attention, parce que ça rame un petit peu. Oh, oh. Ah. C'était le général, hein. La bonne question. Oh, parti. Bon, attends, je les habituais, c'est pour ça que je disais il faut sauvegarder à chaque truc. Ah, mais au pire, on peut les contourner, hein, les gens. Hein. Ouais, aussi, c'est vrai. Allez. Mais mieux vaut sauvegarder parce que sinon il faut les contourner 50 fois. Par contre, je comprends pas pourquoi il y a des coups de rame comme ça, mais bon. Alors, vas-y. Alors, question numéro 2. Voilà, quel était le putain de grade. Alors, j'avais dit colonel avant. Ouais. Commandant. Alors, attends. Commandant. Ah là, là 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 là. Bravo. Alors, on sauvegarde. Allez, sauvegarde. Suivant. Alors, question numéro 3. Lequel de ces méchants est le Némésis de Mario? C'est quoi Némésis, hein? Le grand méchant. Ouais, c'est... Bowser. Hein. Tous les jours, Bowser. Oh, il va au Beaux-Arts. Vrai. Ah. Bon, question numéro 4. Un de ces dinosaures n'a jamais existé. Lequel? Le Psittacosaurus, le Bambiraptor, l'Irritator... Le Fistocétops. J'hésite entre le premier et le dernier. Je dirais... Le Fist. Alors attends, je le fais. Oh là 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 là, le talent. Fist, sérieusement. Ah moi j'ai pensé à ça. T'as le dinosaure, tu vois, qui te fout le mal au cul. Hein. Question numéro 5. Quand ont eu lieu les attentats du 11 septembre 2001? Le 11 septembre 2001, hier, le 17 juillet 1789 ou le 7 janvier 2015. Je me demande si nous étions le 12 septembre 2001, à l'heure où on fait cette vidéo,
il y aurait eu deux réponses possibles. Donc logiquement, je vais dire hier. Hein. Non, tu pour qui? Le 11 septembre 2001. Allez, monte. Boum. Ouais. Captain Obvious. Bon, c'était un peu la question, prends-moi pour un con, c'est ça, je pense que t'as compris. Sauvegardons. Alors ouais. Je vois pas d'où viennent ces coups de rame, ça va jamais ramer, mais bon. Question numéro 6. Attention, le suspense. Quel était le métier de Marcel Marceau? Non mais ça, franchement, même lui je le connais pas, j'ai jamais entendu parler. Hein. Ça va être une chance sur 4. Arrêtez, actrice. Demain, clown. Oui, parce qu'avant c'était hier ici. Ah. Actrice. Marcel, c'est un gars. Ouais. Pourquoi c'est pas acteur hein. Ah oui, parce qu'en fait je faisais référence à Sophie Marceau avec actrice. D'accord, donc. Ah, le piège. Donc c'est pas déjà c'est pas le premier, c'est pas demain. Clown ou mime. Ah, il est connu hein, dans son métier. Bah parce que non, moi je connais pas. Mime, Marcel. Une chanson de pique et douille, c'est toi. Non. Douille. Tiens, mime. Oh ouais. là. C'est le mime Marceau. Ça me dit rien. Oh putain, à ce niveau-là. Hein. Bon, question numéro 7. Où est né le mime Marceau? À Lille, à Strasbourg, à Paris, à Maubeuge. Tu vois, il y a des liens entre les questions. Attends, mon portable, faut que j'aille sur internet. Hein. À ton avis? À mon avis, qu'est-ce que j'en sais, moi? Ça existe Maubeuge, hein? Maubeuge, oui, ça existe. Paris. Où est né? J'aurais dit. Strasbourg, ça paraît trop nul parce qu'on vient de Strasbourg. Hein. Donc c'est évident que ça fait partie des réponses proposées. Donc c'est pas Strasbourg, hein. Et Maubeuge. Maubeuge, c'est tellement une ville précise hein, que ça me semble être ça. Oh. Ah merde. Maubeuge. C'est pas Strasbourg. Ah bah pour Strasbourg. Hein. Alors on va mettre pour Strasbourg donc. Vrai. Oh là. Tu avais jamais pensé. Alors, question numéro 8. Laquelle de ces villes est la capitale d'un état des États-Unis? Washington, Chicago, Atlanta, Iowa City. Oh là, mais oh, quand tu veux saches ça. Bon, déjà, laquelle? Bah, déjà, Iowa City, ça me dit rien. Atlanta, non plus. Atlanta, ça me semble être. Atlanta, c'est la ville dans. Walking Dead. Ok, donc c'est peut-être là alors. Alors, Chicago, Washington. Non, mais je suis vraiment très mauvais. Je dirais comme. T'as sauvegardé au moins avant. Ah, mais ça va, je vais y arriver. Tu es plus mal. Bon, donc voilà, c'était Atlanta. Boudra, bah, là, ça y va. Alors. Question numéro 9, un seul de ces arts martiaux n'est pas japonais. Lequel? Le jujitsu, le taekwondo, le aikibudo ou le sumo? Le sumo c'est. Oh, c'est japonais le sumo, je suis sûr. Le jujitsu ça veut quelque chose. Hein. Donc l'autre est forcément chinois ou coréen. C'est ça. Je pense que taekwondo c'est chinois ou coréen mais. Alors on va voir. Bravo, c'est coréen. Oh là. Bravo. La sauvegarde. Hein. C'est pas mal de voir de se renoncer japonais, tu vois. Oh putain. Question numéro 10. Quelle est la capitale de Corée du Nord? J'aime bien faire des liens sur les questions. Séoul. Kekkonan et Aibara. Bon. Donc, vas-y, alors. Oh putain, il fait chier. Question numéro 10, qui est la capitale Corée du Nord? C'est pas Séoul, c'est la capitale de la Corée du Sud. Une chance sur 3 parce que, ouais, bon, moi la géographie. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est Hamgung Kongchongchin. Kongchongchin, voilà, c'est bon. Ah, mais. Les prochaines citations sont toutes de Donald Trump, sauf une qui a été inventée de toutes pièces. Trouve-la. Citation 1, je dirais que Poutine est un homme plus sympathique que moi. Citation 2, alors,
l'État islamique honore le président Obama, il est le fondateur de Daesh, et le cofondateur est la véreuse Hillary Clinton. C'est pas mal. Alors, citation 3, je n'ai rien contre les homosexuels, tant qu'ils ne s'affichent pas en public, ça me va. Citation 4, attention. Le concept de réchauffement climatique a été créé par et pour les Chinois dans le but de rendre l'industrie américaine non compétitive. Alors tu lui diras laquelle ? 3. Vrai ! Oh, t'es bon, hein ? Ah, ça y est, vite. Non, je sauvegarde toutes les deux questions. Ah, c'est gentil. Question numéro 2. Frappe, ça a jamais ravi. Qui commence à tout rame. Qui est Sarah dans Comme toi de Jean-Jacques Goldman ? Sa mère, une petite fille juive, victime de la Shoah. Sarah Bernard, une grand-mère chauve avec des poils. Je vous dis sa mère. Arrivé. Alors, donc qui est Sarah dans Comme toi ? Alors, de Jean-Jacques Goldman. Alors, tu dirais quoi ? Une petite fille juive victime de la Shoah. Ouais. Ah, c'était une chance sur deux. Non. Question numéro 13. De qui vient la réplique « L'enfer, c'est les autres » ? T'as dû voir ça en philo. Sans doute. Mais vu que j'écoute pas les cours... Sartre. Bravo ! C'est le seul. Alors, question numéro 14. Dans les jeux Resident Evil, quand était détruite... Ça, je sais. Ça, je sais. Regardez. Bim, bam, boum. Tac, tac. Tac, boum. Boum. Comment tu sais? J'ai répondu au hasard. Soit je passais pour un beau gosse, hein, ce qui est le cas, soit pour un nul. Lequel de ces films ne vient pas de George Romero? Le jour des morts vivants, Zombie, Le retour des morts vivants, Knight Rider. Tu sens les pièges, hein? Non? Moi je change le zombie! Putain! Sorti en 1900. Bon, c'est encore du pif et douille, c'est le hasard qui fera bien les choses ou pas? Alors, Le retour des morts vivants? Vas-y, Le retour des morts vivants. Ouais! Il vient de Dan O'Bannon et il est sorti en 1985. C'est pas mal, hein? Le dernier c'était un piège, hein, parce que le dernier il n'y avait rien de mort vivant dedans. Hein. Mais c'est quand même de Romero. Quelle est la vidéo la plus vue sur YouTube? Gangnam Style de Psy, See You Again de Weezer et Charlie Puth, Sorry de Justin Bieber, Le Prince Aladdin de Black... Gangnam Style, hein. Et y a Adele qui l'a... Alors, numéro 17, laquelle cette chanson ne vient pas du groupe de J-Rock Scandal? Mais ça, c'est avant simple, ça. Regarde, bim, bam, boum, grrr. Ah, ça, pour ça a marché qu'une fois, hein, celle-là. Ça a marché qu'une fois, ouais. Go. Ouais, elle est chantée par le groupe Flow et le quatrième opening de Naruto. Go. Go. Question numéro 18. Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Blanc, bien sûr. Vraiment? Ah oui. Ça, c'est comment perdre du temps. Alors, qu'est-ce qui se rapproche le plus du blanc? Crème. Attention, crème, on va voir si c'est bien. Ouais, telle était la couleur de son pelage. Alors, question numéro 19. Comment s'est suicidé Adolf Hitler? En se pendant, en se tirant une balle dans la tête, en avalant une capsule de cyanure, en écoutant du Justin Bieber. En se tirant une balle dans la tête. Ouais, le 30 avril 1945 dans son bunker. Je valide, j'adore la mort. Alors, dans quel opus de la série de jeux vidéo Silent Hill, nous ne visitons pas la ville de Silent Hill? Oh, mais je connais pas, moi, je ne sais même pas si ça existe, ce jeu vidéo Silent Hill. Shattered Memories. Vas-y. Ok. Bah, ça c'est une réponse du hasard pur et dur, voilà. Oh, c'est un reboot du premier opus, donc bien sûr qu'on visite la ville. Ah, pardon, mais je te pose des questions sur League of Legends, tu ne sauras pas y répondre non plus. Hein. Et au moins, je connais League of Legends. Tu m'as eu. Ils existent tous, mais okay. Y en a un, tu visites pas la ville. Ok, donc c'est pas un nom que t'as inventé. Je dirais le 4, hop. Vrai, ouais. On visite juste les alentours dans deux niveaux du jeu, mais pas la ville en elle-même. Ce qui est con. Ah, n'est-ce pas? Bon, après, la ville reste encore un thème dans le jeu, mais tu la visites pas. Alors, résolvez cette énigme.
J'ai 2 pieds, 6 jambes, 8 bras, 2 têtes et 1 œil. Qui suis-je? Un menteur, je la connais. Bravo! Alors là, maintenant, on va passer sur des petits trucs comme ça. Tu le sens bien? Numéro 22. Alors, attends. Résolvez cette énigme. 3 poissons sont dans un seau. L'un meurt, combien en reste-t-il? 3. Tu sais pourquoi? Oui, parce que même s'il est mort, il reste dans le seau. Voilà. Là, on arrive dans ton domaine. C'est ça? Voilà. Alors, question numéro 23. Est-il vrai qu'un mot de 11 lettres toutes différentes est introuvable? Vrai, faux, les deux. C'est vrai, le mot introuvable. Le mot introuvable à lui-même, hein. On nous a différence. Différence. Donc tu dis vrai? Vrai. Alors, faux. Les lettres, elles sont toutes différentes. Des lettres différentes. Ouais, mais... mais c'est les deux, parce que... Est-il vrai qu'un mot de 11 lettres toutes différentes est introuvable? Ben c'est faux aussi, parce que il n'est pas introuvable. C'est pas introuvable. Donc c'est les deux. C'est à la fois vrai et faux. C'est un sujet... Ouais, bon, je crois que j'ai un petit peu compris. Voilà, vérifie les... Ok, voilà. J'ai été... Encore une énigme, je suppose. Question. Quelle particularité de cette phrase? Saviez-vous que le whisky irlandais, à ne pas confondre avec son homologue écossais, existait déjà bien avant la fin du Moyen-Âge? Ça parle d'alcool, elle est bourrée d'erreurs, c'est un pangramme, ce quiz me casse les couilles! C'est un pangramme, c'est une phrase où il y a une lettre de chaque. Ah, t'es un spécialiste en énigmes. Voilà. écoute-moi. Bon, ouais. Bah, on va avoir la fin. Hein. C'est le boss final. Hein. Ouais, le boss final. Alors, résolvez cette énigme. Une femme va s'acheter une paire de chaussures la même journée, elle meurt à cause de cet achat. Pourquoi? Qu'une idée. La réponse à la question numéro 8, c'est un pas grave. Réponse what the fuck. Ce n'est pas la deuxième. Je dirais aucune idée. Aucune idée? Ouais. Ah bah moi je vais répondre une réponse what the fuck. Ah non. La réponse à la question 8. T'es sûr? Oui. Ok, bah... Donc c'est la dernière. C'est pas un... Non, c'est bien une réponse de fuck. Voilà. Voilà. C'est pas... Pourquoi elle est morte? Attention, on va voir la réponse. Hein. Allez voir. Alors, cette femme travaille dans un cirque. Son mari est lanceur de couteaux et la femme est l'assistante. Les nouvelles chaussures de cette femme ont des talons plus hauts que les anciennes. Le mari, ayant les yeux bandés, lui tire le couteau dans la tête. Ah. Mais c'est n'importe quoi. C'est vrai. C'est... Toi, ah, t'es d'accord, elle était évidente cette année. Alors, à suivre. Ah, t'as trouvé comment c'est. Ah, il y a des questions, soit tu sais, soit tu sais pas. Hein. Soit tu réponds comme un beau gosse, soit c'est du hasard. Salut Mathilde, au revoir et abonnez-vous.